Bien, salut à tous, c'est Arcade, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti, allons faire des petites missions. Pour ce qu'il a fait aux filles dans ce club. Ok, d'accord. Donc on va libérer quelques filles. Hein. C'est parti. Ah, mon dieu. Alors je prends toujours ma caisse, hein, d'hab. Voilà. Ouais, c'est là, c'est bon. Pardon, excusez-moi. Oh putain de... Ouais, écoutez, hein. C'est de sa faute un peu, hein. Excusez-moi, pardon. Merci. Super. Je vous aime. Alors... Il y a des ennemis, apparemment. Waouh. Alors, territoire ennemi... Un ennemi, oui, je connais, oui. Alors, il faut tuer. Il y en a deux, c'est tout? Trois, il y en a trois. Voilà, ta grand-mère. Bien, c'est un peu à Assassin's Creed, tu vois. Tu dois chasser des gens. Enfin, tu dois tuer des gens. Plus rien à gagner. Quand vous avez suffisamment de dégâts pour réduire les gains d'un trafic à zéro, vous pourrez retourner voir votre contact pour plus sur le boss du trafic ou continuer à recharger d'autres cibles. Ok, vous avez complètement ragé réseau contre. Merde, et fait tomber ces derniers avec. Allez voir la voix de. Ok. Mais dégage toi. Voilà, meurs. Donc il faut que j'aille parler à la voix de. Ça marche ma biche. Ça marche. Ah, attends. Mais ça va être bon. Désolé. Rendez-vous tout de suite. On nous appelle à propos d'une voiture volée à Delray. Il y a une unité dans la zone. Essayez d'aller voir ce qui se passe. Dégage. Voilà. Alors, vous pouvez continuer les trafics inachevés sont supprimés. Je répète, okay. C'est mon père là. Pareil qu'il crève de rage. J'aimerais bien voir sa tronche à ce connard. On se mette bien d'accord, ok? Une fois que je suis dedans, je descends tous les connards qui se mettent sur ma route. Personne ne va pleurer pour ces salauds. Fais comme tu le sens. À la prochaine, Lavo. Ok, je démarre le minuteur. Alors... Je merle Jackson. On a appelé les associés grâce à votre radio fournie par Donovan. Vous n'avez plus l'attendre que le trafic d'armes se pointe, vous appelez deux. Ok, on ne dit pas le bouton par contre. Ah si. Appelez un associé, maintenir L1 plus R, je crois que c'est ça. Alors, L1 plus R, je crois que c'est ça. J'ai besoin de matos. Il paraît que vous êtes l'homme de la situation. Cassandra a dit que tu risquais d'appeler. J'aime bien. Mais je fais pas la charité non plus. Ok.
pas de mal aux chiottes. Et tu seras mort avant. Un petit gilet pare-balles, mais j'en ai déjà un. Bon, ça recharge, écoute. Hein. Mais bon. Ça dure toujours 20-25 minutes. Putain de merde. Waouh, il m'a failli me tuer ce con. Ça c'est une méchante. Ah ouais. Putain, Dox fait descendre. Les macros. La tactique, mon gars, la tactique. Bon, c'est pareil. Hein. Tu es gros, a pu se balader ici sans avoir le moindre problème. Je t'écoute. Désolé, merde, j'étais pas sur place. Je fais que. Cet enfoiré a ramassé certaines de nos meilleures filles. Une injection et elle pouvait te faire rôde. Alors, je vous rappelle, on est dans un gang, on est dans une opération de gang, on a monté un gang avec Cassandra. C'est les haïtiens. Et du coup, on va buter tout ce qui traîne. On va se venger, en tout cas. Voilà. Jouer de la seringue, c'est de tout le monde. Mais faire sucer des queues, c'est une autre paire de manches. Des queues ! L'affaire ! Je vais à couvert ! Non, mais. J'ai dit quoi ? Aidez-moi ! Tu la fermes. Alors, tu vas faire quoi, le négro ? Ça. Voilà. Oh, une balle dans la tête, ça aurait tout arrangé. Hein. Wouhouhou ! Pardon. Alors, assister, quels sont à voir les améliorations associées. Putain de merde, waouh. Chasser ces enfoirés de Dixit, Chepperla. Demande à tes hommes de boucler les lieux. D'accord. Mes hommes vont aller s'occuper des lieux. Fais sortir ces fils de pute de Dixit retranchés dans l'église. Et Richie devra riposter. Ok. Des renforts. En 1966, le FBI m'a recruté à la sortie de la fac. J'ai d'abord été affecté à Atlanta, puis on m'a transféré à New Bordeaux début 68. J'y suis resté jusqu'en 86, quand j'ai été promu directeur adjoint de la section crime organisé. Je suis resté au FBI jusqu'à ma retraite en 1999. On raconte énormément d'histoires sur Cassandra. Enfant, elle aurait été enlevée, tuée et ramenée à la vie par un prêtre vaudou. Elle aurait assisté au viol et au meurtre de sa sœur par des malfrats. Elle aurait abattu son propre père et abandonné son corps dans les marais. Bien sûr, impossible de démêler le vrai du faux. Ok, je m'y attendais absolument pas à cette cinématique. Alors, Zemi hurlante, ok. Les ignorants attirent des groupes d'ennemis vers elle. Vous en avez recruté gratuitement et pouvez acheter un trafic d'armes. Ok, t'en lâcher. Ok. Mission principale terminée. On a des vêtements. Enfin, on peut changer en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme tenue ? Alors, waouh ! Ah, c'est trop classe.
C'est en même temps, c'est les tenues plates. En même temps. Tu veux voir celle-là? Plus viril, tu vois. Spécial. Special. C'est quoi special? Waouh! Wow. Ok, on a deux tenues. What? Non, mais là, ça. Là, ils ont pété les plombs, là. Ah ouais, trop cool, flic. Révolutionnaire. Juste, tu fais voir l'autre là. Oh mon dieu, je serais horrible. Attends. Ah, mon dieu, les tenues quoi. En chasse. Ça pourrait être pas mal en chasse. Hein. Pas mal aussi, ça, non. Ah ouais, là, t'as le... Oh là là, Fanta en action, quoi. Mais quel beau gosse, quoi. Il va avec une arme. Oh là 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 là. Putain, la vache. Mon Dieu, mon Dieu. Débloqué en terminant toutes les missions de l'histoire en... Achat de l'âge de la mort, l'âge de la guerre plutôt. D'accord. Et fais voir policier, je voulais voir ce que ça donnait. Non, c'est. Non. On verra ça plus tard, écoutez. Hein. Voilà, c'était juste pour voir les tenues qu'il y avait. Ouais, on peut pas de toute façon. Je peux voir ça. Ouais. Choisis ma tenue. Alors cette tenue elle me fait penser à quelqu'un qui est dans Matrix. Je pense que vous savez qui c'est. Je crois. Hein. Je m'attendais pas à te voir ici. Je voulais prendre un peu l'air. Cette héroïne vendue par les Dixie là, c'est gérée ici par un certain Charlie Kincaid. Ce qui veut dire que tous les autres dealers du coin bossent pour lui. Charlie reste à l'écart autant qu'il peut, donc tu vas devoir lui mettre la pression. J'ai repéré quelques-uns de ces gars. Si tu les fais parler, ils te diront comment le choper. Bon, de ce que j'en sais, Charlie fait seulement ça pour le fric, et pas par conviction, contrairement à tous ces autres enfoirés de Dixie. Donc peut-être que si je le baratine, il pourrait accepter de lâcher Doucet et de bosser avec moi. Si j'arrive à le faire sortir. Justement, j'ai quelque chose qui pourrait t'aider, c'est ce que je voulais te montrer. New Bordeaux dispose d'un réseau de communication standard. Donc mettre en place un système d'écoute efficace, ça devrait pas être trop compliqué. T'as juste à installer cette petite merveille sur un boîtier de raccordement, et je pourrais établir une cartographie complète de tout le secteur. T'en as encore combien de ces trucs? Juste ça. C'est des composants surveillés par la CIA. Mais si t'arrives à en trouver d'autres, tu peux mettre toute la ville sur écoute. D'accord. Putain de merde! Ces connards qui pensent que vivre sous un régime communiste est la solution. Ils ont qu'à se casser à Moscou. Si t'en trouves d'autres comme ça, tu me les ramènes. Je trouve que tu t'en fais un peu trop. Qu'ils aillent se faire foutre, putain de traître. On se voit quand il sera temps d'agir contre Charlie. C'est incroyable. Dans mon propre pays, bordel. Foi. Alors, écoute de trafic. Pour permettre de trafic sur écoute téléphonique, forcez les boîtiers à de recorder que vous trouvez partout dans la ville. Okay. Mettez les trafics sur écoute permet de Donovan d'indiquer sur votre carte. Ok. C'est ça non? Alors. Hop là. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Oui, casse-toi. Alors, écoute de trafic, merci pour le succès. À l'écoute de trafic, ennemi sur la mini-carte indiquée, si important, collectionner, recruter des... Ok, pour toucher les revenus. Lorsqu'une partie de précise de la ville est mise à l'écoute, les ennemis peuvent être vus au coin des rues.
et même à travers les murs, il sent le repérage, voir les trafics mis sur écoute. Ouvrir la cape avec pour installer le dispositif de l'écoute boîtier accordé, vous avez besoin de fusible DL-49. Récupérer ces fusibles éparpillés dans le... Oh putain. Interroger les dealers de Charlie. Ok. Alors. Ok. D'accord. Ça marche, Billy. Il y a de l'argent ici. Voilà. Ouh. Il y a de l'argent ici. On tue pas les femmes, donc les femmes sont innocentes. C'est bête à dire. Mais... les femmes sont innocentes, alors. Ça remplace quoi, ça, fusil, putain? Ah oui. Même si t'aurais dû écouter, à nulle part où on allait. Merde, j'ai utilisé trop de balles. Il a vu dans le mec. Pas mal le mec. Alors. Mec, il a appelé des renforts, je l'ai tué instant. Ok, il y a un gilet pare-balles. Oh! Ça, c'est stylé, ça. Bon, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Bon, désolé si la vidéo ne dure pas très longtemps. Et on se retrouve, à plus tard. Allez, ciao!